Baños de medianoche, Eric Morena, arriba España. Si la route qui nous mène, loin du monde et des problèmes, j'ai fui. La gazelle aimable, oh gracile et des belours, j'ai vendu des vagabagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour, bonjour, oh mon bateau. Bravan tutte le tempete, si flan come da duete. Je vuol, je vuol, vers de fabuleux rivages, où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau. Le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes, les criolets, olé, olé, au bon bateau. François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Pierre Juquin, bonsoir. Je t'attends de Sandy. Alors, vous vous connaissez tous les deux? Bah oui, on s'est déjà croisé. Vous êtes croisés où? Bon, dans mon travail. En tant que journaliste. Ah non. Alors, on verra après. Encore qu'il a dû en croiser beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'ex-communistes. Alors, Jean-François, est-ce que Parole et Musique... Il y en a même au Figaro. Il y en a même au Figaro, oui. Il y a Blandine. Il y en a même plus au Figaro qu'ailleurs. Jean-François, est-ce que le magazine Parole et Musique que tu sors à la fin du mois, qui est le nouveau magazine du groupe de l'événement, parce que maintenant c'est un groupe, est-ce que vous parlerez du retour des rythmes latins de... Aujourd'hui, le jeune qui aime le rock et même le hard rock, il peut aimer Souchon, il peut aimer Gainsbourg, il peut trouver formidable et amusant Eric Morena. Eric Morena, je crois que c'était vraiment Dario Moreno. Je crois que c'était vraiment Dario Moreno. J'ai connu Dario Moreno, j'ai cru le reconnaître. Etc. Donc, si vous voulez, il y a des mensuels de rock, etc. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'un grand mensuel de toutes les chansons, de tous les rides, de toutes les musiques. Parole et Musique, ce sera un généraliste. Un mensuel pour les jeunes. Ce sera un généraliste. Tous ceux qui aiment les chansons, qui aiment le rythme, du rock. Quels sont les autres projets du groupe de l'événement? Parce que ça prend des proportions. Ça, c'est le plus important, celui-là, parce qu'on veut vraiment faire, si vous voulez, à la chanson ce que Première est au cinéma, ou faire, disons, le Salut les copains, mais de la génération d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire des jeunes qui, en plus, à travers la chanson, des choses à dire, hein. Alors qu'à 25 ans, il y a 25 ans, ils n'avaient rien à dire à travers la chanson. Ou plutôt, ils disaient qu'ils n'avaient rien à dire. Aujourd'hui, ils ont toute leur colère, leur joie, leurs aspirations à exprimer dans la chanson. Tu vas finir commerçant avec un groupe de presse, alors?
Bah... Citizen Can. Non, je crois pas. Tu crois pas que... Combien t'en veux, Joe, avant ça. De t'arrêter. Tu vas remplacer Polak? Ou à la télé? Non. Non, pourquoi? Parce que j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Ça t'aurait plu si t'avais le temps? J'aime pas beaucoup la télé, mais enfin, je sais pas. Vous trouvez pas qu'il serait bien pour remplacer Polak? Bah, vis-à-vis de Polak, je dirais qu'il est irremplaçable. J'en dirais autant de Jean-François Kahn. Maintenant, on va regarder l'authentique Dario Moreno, donc il chante Si tu vas à Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de remonter là-haut. Dans le petit village, caché sur les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas. Sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête du sang. Et tu verras grand pont le long des collines. Des filles à la taille fine, avancer à petits pas, et les pampards dans un joyeux tintamarre, allumer les flots bizarres des écoles des sambas qui préparent le bal et s'en vont pour le carnaval. Allumer la cadence de la plus folle de danse, celle de Marbella. Et tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine, avancer à petits pas, et les fanfares dans un joyeux tintamarre, allumer les flots bizarres des écoles des sambas. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans le petit village, caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si tu vas à Rio. Alors Pierre Juquin, vous êtes entré au Parti communiste en 1953. Vous avez supporté l'époque des grèves insurrectionnelles en Allemagne de l'Est, à Berlin. Vous avez supporté Budapest en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968. Vous avez participé à l'exclusion d'un certain nombre de vos camarades. Et aujourd'hui, quel effet ça fait d'être exclu vous-même? Ça n'est pas mon principal problème. Parce que je crois que la situation a beaucoup évolué depuis. D'autre part, il y a 2 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait Autocritique et ça n'était pas de la frime. J'essaie de faire le bilan de tout ça, d'y réfléchir vraiment. Et j'avais 2 solutions. Ou me mettre à écrire des romans ou des essais, ou essayer de repartir, je ne dirais pas à zéro, mais en tenant compte de tout cela et de tout ce qui s'est fait en dehors de moi pendant ce temps, pour continuer une bataille, disons, humaniste. Vous rejoignez la cohorte des repentis du PC, finalement. Repentis, je trouve ce mot très mauvais, je vais vous dire pourquoi. Peut-être pas à cause de ce que vous pensez. Ouais. Parce que moi, je ne suis jamais rentré dans le communisme comme on rentre dans une église. Mmh. Je pense qu'il faut enfin laïciser ce genre de politique. Dans le Parti communiste, j'ai beaucoup appris. Mmh. Moi qui suis un intellectuel, évidemment d'origine très modeste, mais tout de même un intellectuel, et j'en suis fier et heureux, je voudrais l'être encore plus. J'ai rencontré là des gens de tous les milieux du monde du travail. Mais je peux parler avec gens... un mineur ou un cheminot en direct, ça c'est une chose formidable qu'on a que dans le Parti. Je parle des gens que vous avez exclus à l'époque, ou des choses insupportables que vous avez supportées, vous le regrettez pas? Il aura rendu service, hein, ceux qu'il a exclus. Pourquoi pas lui... enfin, parce qu'il aura permis de sortir du Parti communiste, qui était une bonne chose. François Kahn. Sauvé par ça, c'est ce qu'il a fait de mieux, d'exclure des gens. Non, mais j'en ai pas exclu. Plus on en exclut, mieux c'est. Disons, j'en ai pas tellement exclu, mais j'ai couvert des types de politiques. Non, j'ai pas exclu Alain Crédit. J'ai couvert un type de. L'union des étudiants communistes, si, en 65. Oui, il y a eu une bataille. J'ai couvert un type de politique, vous avez une méthode participé. Qui est très préjudiciable à la cause qui reste la mienne. Celle du changement profond de société, si vous voulez, pour le dire en un mot un peu simpliste. Monsieur Juquin, rénovateur, PSU, LCR, SOS Racisme, écologiste. Vous n'avez pas peur d'être le candidat fourre-tout à la prochaine élection présidentielle? Si j'étais le candidat fourre-tout, je me retirerais. Vous Parce retiriez. Que ça, je ne le veux pas. Je crois qu'il s'agit de faire quelque chose de cohérent, de sérieux, je dirais de moral. Mm-hmm. La chose qui me mobilise le plus et qui est quand même le point de départ de ma réflexion critique, de mon examen de conscience, c'est que j'en ai assez de cette politique où le faire et le dire, c'est pas la même oui, chose. Oui, mais dans les gens qui vous soutiennent, on retrouve des gens comme Alain Krivine qui ont été quand même... vos ennemis, non? Ça nous fait rien de retravailler avec Écoutez, avec si je pouvais être un réconciliateur, un fédérateur de gens extrêmement différents, j'en serais très content. Mais je crois qu'il ne faut pas focaliser sur Krivine, sur X ou Y. Vous n'avez pas peur d'être un peu le Jobert de la gauche?
que lui, il est ailleurs, en fait, on ne sait pas où il est. Moi, je sais très bien où je suis. Parce que les gens qui sont avec moi, ce n'est pas Krivine, etc. Je suis le candidat d'aucune organisation. Mais il vous soutient. D'aucune secte. Krivine vous soutient. Qui même me suivent. Hein? Mais je suis le candidat plutôt des gens, d'un certain nombre de gens qui se sont battus dans le mouvement social ou qui s'y battent. Le mouvement antiraciste, le mouvement des étudiants, ils ne soutiennent pas dans leur ensemble et en tant que tel. Mais il y en a beaucoup, ils sont auprès de moi. C'est d'ailleurs une immense joie. Moi, je vais vous dire, au mois d'octobre, septembre dernier, il y a exactement un an, je songeais à me retirer de la politique active, de la vie publique. C'est quand même assez dur. Et devant ce mouvement des étudiants, auquel a participé par exemple mon fils, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est une joie formidable de me voir avec David Assouline, Kaïssa Titous et beaucoup d'autres qui incarnent ce mouvement. Excusez-moi, tu crois qu'il a des chances de faire des points, Jukin? J'ai toujours pensé que s'il ne restait qu'un Jukin, il serait celui-là. À propos de ce que vous avez dit, vous avez raison en disant, il a fait tout ça, il a accepté la Hongrie, Budapest, tout ça. Moi, ce que je crois, c'est que personnellement, je pense qu'il ne faut pas reprocher éternellement aux gens ce qu'ils ont fait. On peut tout faire, alors. Non, attendez. À partir du moment où en effet, ils disent « je me suis trompé, j'ai dit des bêtises, j'ai fait des choses condamnables. » Des gens après la guerre qui auraient dit « je regrette d'avoir fait la collaboration, on n'aurait pas dû les fusiller. » Voilà ce que je veux dire. Non, j'allais prendre moi-même cette comparaison. Ouais. On dit toujours « faut-il éternellement rechercher à faire le procès des gens qui ont été collaborateurs ou qui ont été vichistes ?» Je dis non. Si quelqu'un aujourd'hui qui a été vichiste dit « mais c'est horrible, j'en ai honte, j'en dors pas la nuit, etc. » Je dis « mais il faut complètement oublier. » Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à être vichistes ou qui continuent à trouver qu'ils avaient raison d'être collaborateurs. Il y en a qui n'ont pas eu le temps. Alors cela, il faut être implacable. Ouais. Totalement implacable. Mais quand quelqu'un reconnaît... Pardon, tout le monde s'est trompé à un moment donné. Ouais. Absolument tout le monde. Mmh. Tout le monde a été ou maoïste, ou communiste, ou pétiniste, ou accru au socialisme, ou au libéralisme pur et dur. Tout le monde s'est trompé. Donc forcément, si on veut faire quelque chose, on ne peut le faire qu'avec les gens qui reconnaissent qu'ils se sont trompés. Forcément. Alors faisons la grande unité des gens qui reconnaissent qu'ils se sont trompés. Le parti contre des gens qui se sont trompés. Contre les gens qui continuent à se tromper, voilà. Monsieur Jukin, Georges est un peu triste de ce qui vient de se passer. Et il a accepté tout à fait officieusement, puisqu'il n'a pas voulu, il n'a pas souhaité être filmé. Il a accepté de venir avec nous dans la rue pour faire un micro-trottoir. Mais surtout, si vous le rencontrez, vous ne lui répétez pas, c'est totalement secret. On va voir. Est-ce que vous êtes concerné par l'exclusion de Pierre Jukin du Parti communiste français, madame? Bon, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas quoi vous répondre. Ah oui, alors là, non, là, je suis absolument sûr que vous n'avez pas choisi cette dame au hasard. C'est impossible que vous ne soyez pas concerné par un problème qui concerne normalement la vie politique française. Et vous êtes d'accord avec le comité central du Parti communiste français quand il a exclu Pierre Jukin? Mais bien sûr, monsieur. Ah, voilà. Alors, voyez que nous aussi, nous sommes des rénovateurs. C'est ce que je dis. Excusez-moi, madame, dans le studio. Moi, vous savez, c'est vos affaires. Hein. Je sais pas. Vous savez, moi, la politique, j'y comprends pas grand-chose. Hein. Ah, je suis d'accord. Ah. Il n'a qu'à respecter la ligne du Parti communiste. Il n'y a pas deux thèses dans un parti. Absolument. Il y en a qu'une. Ah, vous savez, c'est un ami personnel, hein, en dehors de toute question politique. Moi, j'ai toujours eu une grande affection pour Pierre Jukin. Je dis qu'il ne faut plus le reprendre parce qu'il a commis une trop forte erreur. Quand on est un membre du parti en haut où il était placé et où il avait l'accord avec tous ses camarades depuis de nombreuses années, maintenant il a été sûrement traîné par la bourgeoisie comme les Doriot et Marshall à Saint-Denis. Hein, il a été intégré par eux et eux, la bourgeoisie s'en sert de ce gars-là. Et s'il voulait revenir, personnellement, je suis prêt à lui ouvrir les bras. C'est un appel que vous lancez, monsieur Marchais? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, Jukin, avec nous, ça va être notre slogan. C'est normal, non? Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un bon canular. C'est un bon canular, merci pour lui, Marcel. Alors maintenant, on a fait un autre canular qu'on va voir, qui vous concerne moins. C'est que comme vous allez piquer beaucoup de voix à Georges Marchais, moi, je suis sûr que je suis sûr que votre candidature va marcher, moi, personnellement. Parce que vous regroupez un courant qui n'est pas représenté au niveau des élections présidentielles. Et on a imaginé que Marchais dise aux gens que pour arriver à faire des voix pour le PC, il allait être obligé de s'associer avec le Front National. Et vous allez voir ce que ça donne, c'est assez marrant. Avec les journalistes, vous pouvez avoir pas fait parfaitement confiance, j'ai été choisi complètement au hasard. Bon.
J'en suis ravi. Alors, j'avais une question à vous poser. Oui. D'abord, vous avez sans doute voté aux dernières élections. Oui. Alors, vous avez voté pour nous, peut-être, non? Pas du tout. Ah, alors absolument oui. Pas. Voilà, c'est là où je me méfie un petit peu des médias, oui. Est-ce que vous avez voté communiste aux dernières élections? Non. Ah, alors vous voyez, là, encore une fois, voilà, je parle dans le studio, vous ne me voyez pas, je suppose, dans l'image, mais on est en train d'essayer, comme d'habitude, de me piéger. C'est-à-dire qu'on met des gens qui ne sont pas concernés par ma politique. C'est carrément un complot que vous avez monté, là. Vous avez voté communiste? Oui, oui, même un tout petit peu plus que communiste. Et vous avez voté communiste ou... Oui, évidemment. Ah, oui. Voilà. Mais alors, vous voyez, parce que ça, c'est le problème à la télévision. On met des gens qui sont convaincus déjà. Alors, comment voulez-vous qu'on ait un dialogue et qu'on ait des gens à convaincre? Alors là. Bien sûr, bien sûr. Monsieur, cette dame a été prise au hasard dans la rue. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, le hasard fait quand même bien les choses. Oui, hein. Évidemment. C'est un peu oui. Comme la cravate rouge du journaliste, là. Hein. C'est un journaliste du Figaro que vous m'avez mis, là, non? Non, écoutez, je crois que le débat n'est pas autour de ma cravate. Le débat est de savoir si. Non, mais moi, je réponds sur le plateau et j'ai quand même l'impression qu'il y a des questions monsieur un peu perfides. Je voudrais vous poser la question que vous pose ce monsieur. À combien vous estimez le pourcentage que vous allez faire au premier tour? Ah, moi, je dis qu'on arrivera à 40%. Ah, je crois pas. Mais pourquoi on n'y arriverait pas? Ben parce que on a si trop... on fait une alliance avec des partis comme le Front National et on fait comme les autres, on y arrive, hein? Moi, j'espérerais plutôt 9%, moi. Ah, mais vous êtes carrément pessimiste, là. Mais moi, je pense qu'il y aura quand même plus. Oui, alors, justement, nous, on a un problème au Parti communiste, c'est de s'associer avec d'autres partis pour arriver à faire 35 à 40% au premier tour. C'est ça qu'il nous faut, hein. Oui, mais les socialistes, ils sont mous. Ah, voilà, là, c'est ça le problème, les socialistes sont mous. Voilà. Oui, excusez-moi. Ah non, mais vous avez raison de le dire. Hein, et vous préférez qu'on s'associe avec des partis durs. De gauche, tous ensemble. Voilà. Depuis le temps que la droite pactise avec le Front National, il n'y a aucune raison que le Parti communiste ne fasse pas la même chose, à votre avis. Oui, je suis entièrement d'accord. Ah, ça me fait plaisir que des gens, puisqu'il paraît-il, sont pris au hasard, répondent affirmativement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tactique? Pas du tout. Voilà, on met en face de moi des gens qui ne sont pas du tout concernés par la politique française. Je trouve ça assez scandaleux. C'est pas lui. Moi, j'avais une question à poser. Est-ce que vous penseriez d'un système politique qui réunirait conjointement la privatisation, la nationalisation, le libéralisme et le laxisme fondamental inhérent à toute civilisation décadente par rapport à la situation internationale? Écoutez, je suis désolée, mais... Me poser cette question comme ça, moi j'ai pas l'habitude de parler, alors j'ai pas l'habitude de parler comme ça à l'antenne, en direct, je peux pas répondre comme ça précisément à cette question, mais peut-être que si vraiment ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, on pourra en reparler en privé. Ah mais si on peut s'arranger un rendez-vous, vous savez, moi je suis pas contre, hein. Faudrait que Liliane soit pas là, forcément. Est-ce que tu crois, Michael, que Pierre Juquin a une chance, d'après son thème astral que tu as étudié en fonction de sa date de naissance, de son lieu de naissance, de son heure de naissance, est-ce que Pierre Juquin a une chance, oui ou non, d'être président de la République en mai 88? Non. Aïe. Astralement parlant, il n'a aucune chance. Dur. Aucune chance. Non, en revanche, je pense que le public va ressentir que vous êtes un être terriblement affectif dans votre définition et qu'il va vous accorder très largement sa sympathie. Vous avez un transit de Jupiter qui va vous ouvrir énormément le cœur des Français. Voilà ce que je pense. D'autre part, je pense qu'à travers la lutte qui va se produire au moment de mai 88, les élections, vous allez vous réaliser d'une certaine manière. Et qu'avec le retour de Saturne, vous allez concrétiser de nouvelles associations, j'ose dire. De nouvelles relations politiques. Et quelle question le thème astral de Pierre Juquin t'inspire? Eh bien, en fait, je m'aperçois que vous êtes un uranien. Alors, c'est assez amusant parce qu'Uranus est une planète du collectif, découverte par Herschel en 1789. Ainsi. Oui, c'est-à-dire au moment de la Révolution française. Et je voulais vous demander si le fait d'être un uranien, donc de vouloir vous démarquer à tout prix du commun, ne vous rendait pas par moments un petit peu paranoïaque. Il est difficile de le dire, par définition. Est-ce que vous vous sentez un peu paranoïaque par moment? Non, mais je redoute de le devenir. Dans les mois qui viennent, ça peut vous arriver. Deuxième question. Alors, deuxième question. En fait, je m'aperçois que le degré symbolique de votre ascendant est associé à une image d'enfant qui cueille un bouquet d'églantines sur un chemin de montagne. Charmant. C'est une image poétique qui signifie que vous êtes très insouciant.
Est-ce que vous ne vous sentez pas quelquefois trop utopique ou trop enfantin, trop juvénile pour aborder certains problèmes politiques ? Si seulement je pouvais être juvénile pour aborder les problèmes politiques, là, ça serait bien. J'espère. Je suis entouré de gens très jeunes et j'espère avoir réussi s'ils me dépassent très vite. Ladies and gentlemen, we are very proud to introduce to you tonight the Vaducul brothers. It's to say en français les Vaduluc. Here we have Max Vaducul qui a fait tout le feuilleton qu'on a vu pendant 5 soirées dans Bain de Minuit. Et ici son frère Nitin qui lui aussi fait des photos et fait des petits films. Now, I will show you every week. We show the best pictures of parties in Paris. It's called album, it's very simple. And it's made by Sylvain Begère. What have you got to say? Well, let's see it first. Okay, what have you got to say? First of all, it's Vaducul. Vaducul. Yeah, say it again. Vaducul. No. Vaducul. Vaducul. That's it, correct. No, okay. Not Vaducul. Not Vaducul, Vaducul. Yeah, okay, Vaduluc en avant. Alors, on regarde l'album maintenant, Sylvain Begère. Au Baiser Salé, rue des Lombards, Monica Passo, c'est du jazz brésilien tous les soirs. Au Vistre, rue Saint-Denis, Michel joue aux boules dans sa bodega. Rue des Lombards, trottoir de Buenos Aires, Osvaldo Piro. Le Distrito, tous les mardis, super soirée bodega avec Philippe Corti. Étienne Rodagil, Françoise Lacroix. Pascal Brogno. Maubert et Corti. Le Transat à Saint-Mich, jazz anglais avec Jeff et Cécilie Gardner. Grace Jones au bain avec le chouchou. Étienne Rodagil et sa femme. La mode anglaise. La mode anglaise. La mode anglaise. Corti. Corti. Et les chouchous de la semaine. Claude Jade, bonsoir. Bonsoir. Eva Truffaut, bonsoir. Éric Neuf, bonsoir. Bonsoir. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il y a 3 ans, François Truffaut décédé, et parce qu'Éric Neuf publie le 21 octobre la lettre ouverte aux éditions Albin Michel et que les Cahiers du cinéma publient les meilleurs articles de Truffaut. Voilà. François Truffaut faisait passer ses films avant ses sentiments. Il a sacrifié sa vie au cinéma. Est-ce que tu en as souffert, toi ? Ben non, pas tellement, parce que finalement, le temps qu'il me consacrait, c'était un temps qui était consacré aux enfants, mais aux enfants pour le cinéma. Alors, ça voulait dire qu'on avait un week-end à nous, mais un week-end à nous qui se transformait par un week-end programmé sur les Champs-Élysées avec Chaplin, avec Hitchcock, avec les salles d'arrêt d'essai. Donc, c'était un amour groupé des enfants. C'est une bonne culture cinéma, alors ? Très, finalement, très sélective. La même que lui. Exactement. Et raconte un peu ton premier rôle dans L'Argent de poche, comment ça s'est passé quand il t'a fait jouer. Ah ben c'était que j'ai pas eu le droit de lire le scénario, j'étais pas concernée, c'est ma mère qui l'a lu, et alors il y avait une scène fatidique où je devais rouler une pelle à un garçon, et je savais pas du tout que j'avais à faire ça, moi j'étais prude et j'avais 14 ans. Quand même. Mais non justement. Donc mais la première fois que t'as roulé une pelle à un garçon, c'est dans un film de ton père. Et en public, et alors il fallait faire sortir tous les gens de l'équipe parce que c'était comme une scène dénudée, alors c'était vraiment pour moi le comble. Et j'avais pas lu le scénario, donc je savais pas qu'il m'avait fait un coup comme ça. Et puis on s'est engueulé. Et j'ai dit je ne veux pas faire ça. Il m'a dit mais merde, tu es une actrice. Et tu l'as fait bien? Je l'ai fait comme un baiser de cinéma. Ouais, comment on fait? On fait. Je ne l'ai pas fait comme à Hollywood, en principe on doit mettre un doigt sur la bouche. Ouais. Mais enfin j'ai visé à côté. T'as visé à côté? Oui, oui, en pensant à autre chose. Et quand tu te baladais avec lui dans la rue, ça te faisait plaisir qu'on le reconnaisse, ton père? Non, il faisait curieusement un jeu étrange. Il jouait à l'inverse. On le reconnaissait pas forcément, ou alors on le prenait pour le louche. Ah bon? Le louche ou Chabrol, souvent. Mais non, il jouait, il nous faisait passer, ma sœur ou moi, pour des princesses. Oui. Alors il disait, on devait l'appeler Grand Chambellan, et il disait, Sa Majesté voudra un petit peu de dessert, Sa Majesté veut peut-être s'arrêter à ce cinéma. Il était rigolo dans la vie privée, oui, alors. Oui, plutôt, oui. Et aux USA, on le reconnaissait quand il y allait? Pardon, aux USA, oui, plus, parce que bizarrement, son accent français, ou alors sa silhouette comme ça un peu petite, faisait de lui une espèce de Tintin. Il était aussi exportable que Tintin, c'était un produit français. Et tu as hérité quoi de lui, finalement? À part le nom. Bon, j'en sais rien. Ces films, j'ai hérité de ces films, de l'amour du cinéma, de cassettes vidéo, de choses, de culture consommable. La voiture, t'en as hérité, non? Non, pas du tout. Elle a été vendue, la voiture. Et de livres, non? Les livres, beaucoup de livres, oui. T'as lu le bouquin d'Éric Neuf? Bon, oui, j'ai tu lu. L'as lu, ça te plaît? Oui, ça me plaît tout à fait, c'est curieux. Je me dis qu'il serait très malheureux s'il n'existait pas, si on n'avait plus le droit d'écrire, si on devait brûler toutes les correspondances comme dans Fahrenheit, il serait très malheureux. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui s'écrit pas,
qui s'exprime par lettres et qui serait malheureux avec les télégrammes, malheureux avec le téléphone. Je trouvais ça beau, les gens qui aiment le texte, ouais. C'est bien écrit, comme tout ce que tu fais. Je ne sais pas. Il y a quelques remarques douces amères, comme aurait aimé sans doute les écrire ou les penser Truffaut, style qu'il est mort un dimanche et que son dernier film s'appelait Vivement Dimanche, ou qu'il a été enterré dans un cimetière où on lui avait interdit de tourner, ou qu'il était à l'hôpital américain et que c'était sa dernière version originale, non ? Oui, mais en travaillant sur la vie de quelqu'un, en revoyant tous ces films, on a le recul et on s'aperçoit d'un tas de détails qui, en fait, nous sautent aux yeux et qui, sur le moment, n'avaient l'air de rien. Et... Il y a une idée, moi, que je trouve géniale, c'est l'idée des photos que tu commentes, les photos noires et blanches de Truffaut que tu commentes. Mais c'est comme ça que j'ai commencé ce livre, en retrouvant des photos dans les albums. Et elles sont tellement parlantes, comme on dit, que je me suis un peu imaginé ce que Truffaut était en train de faire à ce moment-là, où est-ce qu'il était, quels étaient les gens qui n'étaient pas sur la photo mais qui étaient autour de lui. Un peu comme si c'était un petit film sur François Truffaut. Mais pourquoi tu as cette truffaldite, comme on dit là, comme dit un des personnages que tu cites? Comment ça se fait que tu écrives une lettre ouverte à François Truffaut plutôt qu'à Paul Morand? Bah parce que Paul Morand, j'aurais été trop jeune pour le connaître. J'aime aussi les livres de Paul Morand, mais j'aime beaucoup les films de Truffaut. Et naïvement, je pensais que Truffaut vivrait jusqu'à 80 ans et qu'il n'y avait pas urgence. Et s'il était vivant, j'aurais jamais écrit de livre sur lui, enfin, ou peut-être. Et puis maintenant qu'il est mort, j'ai écrit ce livre et il ne peut plus le lire. C'est con, quoi. C'est con qu'il ne le voit pas. Ouais. Hein. Alors là, on va voir un sujet qui a été réalisé par Simon Frège, avec un commentaire de Jeanne Moreau, où on va voir parler Truffaut, on va voir des extraits de films. C'est un très beau sujet. François Truffaut, écolier. François Truffaut, adolescent, fou de cinéma. François, au regard révolté, regard qui nous donnera la vision passionnée d'un cinéaste inquiet et précis. Si j'ai besoin d'une intonation précise pour une phrase, je leur dis, voilà la phrase qu'il faut dire, mais en plus, il faut penser ça dans ta tête. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fichtre. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. François était l'homme le plus heureux du monde lorsqu'il tournait. Sa joie était communicative, nous avons beaucoup ri. Écoute, fais voir, qu'est-ce qu'elle a, ta poitrine? Elle a quelque chose, fais voir. Dis donc, ils sont pas pareils, alors. Oh, qu'est-ce que tu dis? T'es complètement fou. Ah non, je t'assure, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Écoute, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Bah, tout le monde est comme ça, là. Non, pas du tout, tu vois. Même pour les différencier, je sais pas, faudrait leur donner un nom, par exemple, Laurel et Hardy. Écoute! Non, mais c'est vrai. Ou bien je sais pas, si tu préfères Don Quichotte, et puis celui-là, le petit gros, là, et sans chauffer. Vous avez vraiment un simple petit glotte? Je ne sais pas, peut-être. Et aussi, bien sûr, Jean Renoir. Là, c'est le soir des Oscars avec Yul Brynner. Et puis, maintenant, il est avec le poète Jean Cocteau. Regardons les images de ses principaux films. Fahrenheit 451, La mariée était en noir, La sirène du Mississippi, Les deux Anglaises et le continent, La nuit américaine, Adélache, L'homme qui aimait les femmes, La chambre verte, Le dernier métro, La femme d'à côté, Vivement dimanche. Rien n'est plus mystérieux qu'un ami, mystérieux comme la vie, l'art et l'amour. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Eh bien, aujourd'hui, après avoir eu pas mal de difficultés à me sortir, disons, de cette image qu'avait donnée de moi Truffaut, c'était à la fois un cadeau merveilleux, mais un peu empoisonné. Bon, je continue, je reprends, disons, du service, puisqu'après avoir joué les jeunes filles, je joue les mères. Alors, ça m'amuse beaucoup.
Vous voilà. Faites pas tellement mère quand même, si. Ah si, tout de même. Ah bon, mais jeune mère alors. Eric, si tu avais envoyé un télégramme plutôt qu'une lettre, tu aurais écrit quoi? J'aurais écrit « Salaud, vous auriez dû rester là ». Alors Gilles de Murgère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis comédien cascadeur. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, là, j'ai essayé de faire un nouveau truc, si tu veux, en 40 secondes, j'ai voulu prouver qu'on pouvait faire autre chose que de la tarte à la crème dans un studio. Ouais. Donc j'ai fait de la comédie cascade. C'est un sketch qui s'appelle Comic Casque. Ouais. Et je veux prouver qu'on peut faire un interlude 87 qui se passe dans la rue ou en extérieur ou en intérieur. Mais qu'est-ce que tu vas en faire à la sortie de tes trucs? Bah, je vais essayer de les présenter dans une chaîne pour faire l'interlude 87, le nouveau truc qui entre les émissions. Voilà. C'est exactement. L'interlude moderne. Voilà. Ah bon, on les regarde alors. Super. Comic Casque. Et cette semaine, c'est quoi les chouchous de la semaine? Oh oui, les... Alors voilà, j'ouvre mon sac Jean Disque. Il a fait son shopping. Et je vous demande une seconde de silence, parce que là, c'est un moment exceptionnel que nous vivons ici. C'est Freddie Mercury. L'homme qui se met toujours à poil dans ses clips. Avec Montserrat Caballé. Oui. Pardon du peu. Et ça s'appelle? Et Barcelona, parce qu'ils se sont rencontrés. Et c'est la chanson qui va être le thème principal de les Jeux Olympiques à Barcelone. Est-ce que Montserrat Caballé se met torse nu dans le clip? Non. Parce que son corset n'est pas fini. Mais enfin, bon, Freddie Mercury, qui est le chanteur des Queen, que tout le monde connaît. Le costume de vie. Queen, qui est un pléonasme quand on connaît la personnalité du chanteur. Voilà, tous les deux, mais c'est très beau. C'est très beau. Curieusement, on n'a pas l'impression quand on regarde la photo, mais c'est très très beau. Ah oui, bon, et ça, c'est quoi, Franck? C'est très très beau, voilà, c'est l'union de deux monstres sacrés. J'ai le vrai chouchou. On a un vrai chouchou. C'est un disque de 1964, non, un peu plus tard. Les ringards super sons. Les ringards super sons. Présentés par les ringards super sons. Mais tu veux avoir le droit, voilà. Ben peut-être, regarde le parasol et tout, on va vous le passer, c'est très très joli. Alors maintenant, on va voir, est-ce que tu connais Level 42? Tout. Oui, bah c'est bien les groupes. C'est, bien c'est du funk britannique, alors on va le regarder. Il y a Montserrat Caballé. Non, il n'y a pas Montserrat Caballé dedans. Non, il y a Freddy. On a vu mes chaussures tout à l'heure? Oui. Chandisque aussi. Non, c'est Gauthier Jean-Paul. Attends, Franck. C'est aussi l'autre que Montserrat Caballé. Le corset en moi. C'est dans un état, le chouchou. Sorry if you don't understand, forgive me if you can. But I can see another road, and I ain't coming back. Don't look for me around this town, 'cause I will be so far away. Véronique Morosi, bonsoir. Bonsoir.
Yves, bonsoir. Bonsoir. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors Yves, fais-moi plaisir, dis-moi bonsoir comme tu dis bonjour tous les jours à la télé. Bonsoir. Très bien. Oui, mais ça ressemble à Mitterrand. Tu connais Michel Drucker ? Très bien. Pose-lui une question alors, une seule. Nous sommes de vieux complices. Pose-lui une seule question. La fidélité, ça paye ? Ouh, je crois. Ouais, je crois. Pose-lui une question, toi, maintenant. Comment fait-il pour présenter le journal de la mi-journée de TF1 en étant à 2h30 du matin, presque tous les jours, au bain-douche ? C'est une question que j'avais préparée. Vieille habitude. Vieille habitude, j'allais dire réflexe physiologique normal. Ça, ça me fascine totalement. Bah, moi aussi, mais j'ai jamais compris comment il faisait. Moi, je crois qu'il fait la sieste l'après-midi, en fait. Non, moi, je crois que... Alors, je vais répondre à une question que beaucoup de gens de notre profession se posent, et aussi des téléspectateurs. Le secret d'Yves, ouais. C'est qu'il doit... Ça, c'est un fils de médecin qui vous le dit. Ouais. Il doit dormir peu, ouais. Mais il doit avoir un vrai sommeil sur une distance courte. Mais il faudrait peut-être ouais. demander à sa femme, non ? Voilà. C'est qu'est-ce ça, qu'il fait la nuit ça. Alors, on va parler de ton bouquin qui sort chez Calman Levin, qui s'appelle Hors Antenne, que tu as fait avec Maurice Achard. Alors, c'est assez marrant, il y a plein de petites anecdotes comme ça sur tes débuts à Sport Dimanche, sur Michel Arnaud qui t'apprend le boulot. Oui, qui me dit que je fais un peu province. Comme Barma a essayé de me l'apprendre. Ouais. J'espère qu'elle réussira aussi bien que Michel avec toi. Enfin, il y a plein d'histoires qui sont très marrantes. Quand tu as failli virer Gainsbourg, lui mettre... c'est assez beau ça, parce que tu dis j'aurais pu lui mettre mon poing dans la gueule, ça aurait fait plaisir à la France profonde, mais je ne l'ai pas fait. Ah là, il y a eu effectivement dans cette émission quand il a dit à Whitney Houston, I would like to fuck you. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ce qui veut dire. Parce que dans ton livre, tu ne traduis pas vraiment. Ben, à l'antenne, j'ai dit, je vais vous traduire ce que dit Gainsbourg. Il vient de lui dire, j'aimerais bien faire un petit tour avec vous. Ouais. Et Gainsbourg m'a dit. Fuck you, c'est attends, bien et attends, et Gainsbourg a dit, mais j'ai dit que je voulais la baiser. Ouais. Alors je dis, nous étions à une heure de grande écoute quand même. J'ai dit, oui, il vient de lui dire qu'il aimerait lui compter fleurette. Il dit, mais il le fera après. Il me dit non, j'ai dit, je voudrais la baiser pas après mais tout de suite. Ouais. Ça a été une horreur. Ouais. Et là pendant en 30 secondes quand j'ai vu le regard de Whitney Houston, je me suis dit tu le sors ouais. en disant maintenant ça suffit et tu fais un tabac. Ouais. Mais l'émission s'arrête alors qu'il y avait encore une chanson avec Eddie Mitchell. Où t'as tu trouvé ça des magots de le sortir. Ouais, c'est pas mal je trouve. Ouais, non mais j'ai pas fait. Mais j'étais tenté quand même. Hein. Dans ton bouquin que tu voudrais faire un talk show à 23h, ça m'inquiète ça. Non, j'ai dit que c'est vrai que le talk show est une. Quand on a fait de la radio quotidiennement, de la télévision de façon mensuelle ou hebdomadaire, on a envie ça de. Ça m'inquiète pour mon boulot, pas pour non, toi. Non, mais t'inquiète pas, t'as pas à t'inquiéter. Et je dis que j'aimerais bien un jour faire ça, mais c'est totalement incompatible avec ce que je fais actuellement et je suis pas certain qu'un directeur de chaîne soit intéressé par ce projet maintenant. Il y a un truc qui est très étonnant, c'est que tu dis que si t'étais séfarade, tu serais sur la 5 ou sur la 1, mais comme t'es ashkénaze, t'es resté sur la 2. C'est pas un peu raciste quand même de dire un truc pareil ? Non, mais c'est une image, mais on comprendra bien. Non, mais j'ai dit que c'est vrai que dans notre métier, en général, dans le monde du spectacle, les juifs d'origine d'Afrique du Nord, on les trouve davantage du côté des impôts. Mieux-disant financiers. Oui, on les trouve plus du côté du mieux-disant financier que du mieux-disant culturel. Voilà. Mais c'était une boutade. D'accord, c'est sûr. Tu me fais un petit reproche quand même. Parce que dans ton livre, tu dis je vais dire des choses que j'ai jamais dites, etc. Et puis finalement, quand on lit le bouquin, je me demande si t'es vraiment passé de l'autre côté du miroir. Parce que à part apprendre que tu fumes la pipe le week-end, qu'est-ce qu'on apprend vraiment qu'on savait pas, je veux dire ? Que tu aimes bien ta maman, non, mais j'ai pas voulu... que tu n'as pas voulu gagner trop d'argent en allant sur la Lune. Non, mais j'ai pas voulu. Tout ça, moi. C'est assez gentil quand même. Oui, mais je crois pas être foncièrement méchant. Non, je pense pas que tu sois méchant, mais je pense que tu aurais pu dire des choses un peu plus. Je sais pas. Tu veux que je te raconte une sur ta femme en disant, je sais pas, et des jours, non. Je peux plus la voir. Je sais pas, c'est non, c'est tout non, le monde. Non, il y a des jours où elle a du mal à me supporter. Ouais. Mais non, j'ai pas. Moi, mon histoire est finalement une grande banalité. Ouais. Moi, c'est plutôt télé, travail, boulot, parce que j'adore ça, j'ai aucun mérite. Mais je commence déjà à faire de très gros progrès, puisque pour la première fois, grâce à toi, je viens au bain-douche. Bah, tu vois. Et j'ai mis une demi-heure avant de trouver. Mais tu peux revenir quand tu veux. Enfin, je suis pas vraiment chez moi, mais t'es le bienvenu.
Tu rencontreras Mourouzi. Tu l'as pas lu le livre de Iver? Non, parce qu'il est sorti il y a quelques jours et je crois que je vais le recevoir demain ou ces jours-ci. Alors lui, il a fait un livre, c'est chez Michel Lafond, où il dit que finalement, si le Mathias Rust a pu atterrir sur la Place Rouge, c'est un coup monté, parce que comme ça, Gorbatchev a pu virer son état-major, c'est ça? Oui, non mais... Mais c'est pas mal comme idée, hein? Non mais, c'est une idée... Parce que c'est basé c'est sur idée des... qui a été... qui a couru dès le début. Bon. Ouais. Ce qui m'amusait en réalité, c'était à peu près une soirée au bain, lorsque Mathias a atterri sur la Place Rouge. Ouais. Fin de la soirée au bain, on se retrouve avec quelques copains et on bavarde de ce fait divers que j'ai reçu comme... tous les journalistes dans la figure, à travers une dépêche dans l'après-midi. Et en fin de nuit, j'ai commencé à délirer sur « mais comment a-t-il pu aller là-bas » Est-ce que je connais l'Union soviétique ? Est-ce que je connais un petit peu des rapports avec les états-majors soviétiques, la nomenclatura ? Je me suis dit que ce type n'avait pas pu arriver là-bas par hasard. Alors à partir de là, en plus de ça, il y avait quelques cinéastes dans le coin, est née une idée de scénario, dans laquelle il fallait trouver une histoire qui se tienne et qui aboutisse à l'arrivée de Mathias sur la Place Rouge, voilà. Mais est-ce que toi, t'as pas été manipulé par les Russes pour que finalement, on fasse croire que ça, c'est possible seulement s'ils le veulent bien? Non, parce que... D'abord, c'est un livre de journaliste. Ouais. Et étant journaliste et recevant les dépêches, et connaissant un petit peu le système soviétique, il n'y a pas un Cessna, on pourra toujours me raconter ce qu'on veut, il n'y a pas un Cessna qui peut passer sans que la chasse le prenne. Mmh. Seulement dans le système soviétique, il est évident que entre une chasse qui prend en chasse un Cessna et le moment où il faut tirer, il faut qu'il y ait une décision, alors c'est le système hiérarchique que je développe dans le bouquin, ouais. Il faut qu'il y ait le type présent pour dire tirer. Seulement si tous les types sont absents ce jour-là, personne ne tirera. Et c'est à travers ça que j'ai imaginé l'histoire de Mathias arrivant jusqu'à la Place Rouge. Mais quand même, t'entretiens une bonne relation avec l'URSS, je veux dire. C'est vrai que t'as fait le cocktail de lancement à l'ambassade du RSS. Mais excellente, et je souhaite que le livre soit lancé à l'ambassade soviétique. Ouais. L'un des premiers exemplaires que j'ai dédicacé était dédicacé à Mikhail Gorbatchev. Mais la question que je voulais te poser, parce que moi j'y pense tous les matins en me réveillant, c'est comment tu fais, Drucker l'a posé tout à l'heure. Quel est le secret alors? Tu vas nous le dire là. Mais il n'y a pas de secret. Mais si, il y a un secret. Tu es là jusqu'à 4h du matin, tu présentes le 13h, le soir tu vas dîner en mais ville. Mais être là, t'as être une là. Femme, t'as un enfant, comment être tu fais? Être là jusqu'à 4h du matin, être ici ou ailleurs du reste. Ouais. C'est aussi une formidable école de rencontres. Moi je me souviens, l'un des premiers scoops, je n'ai pas raconté ma vie comme Michel, mais je la raconterai peut-être un jour, mais l'un des premiers scoops mondiaux que j'ai pu faire à la télévision, Michel s'en souvient peut-être. C'est le moment où j'ai eu à 13h Henry Kissinger qui m'a en premier révélé le plan qu'il allait... Tu l'as trouvé chez Régine. Je l'ai trouvé chez Régine à 5h du matin. Ouais, j'ai fait le pari que lui ne pourrait pas se réveiller à l'heure à laquelle je faisais mon journal. Ouais. On a tenu le pari à 5h du matin et le lendemain, j'avais le scoop du plan des accords de Mais lui, il se couche vachement tôt alors. Comment c'est possible? Mais je suis sûr que si Drucker faisait le journal, il irait à la pêche beaucoup plus souvent. Oui. Si on ne veut pas être victime du phénomène d'usure, il y a intérêt à être en permanence à l'écoute. Si je suis ici et si je regarde par exemple ce que tu fais sur la 5, je veux pas avoir l'air de lécher les bottes, mais je dis que dans en matière de nightclubbing, de regard sur une société qui vit, ton émission, c'est à peu près la même révolution que ce qu'avait fait Dim Dam Dom il y a très longtemps. Bon. Et la façon de traiter les invités la nuit, etc., avec des hommes politiques, c'est aussi révolutionnaire que Dim Dam Dom. Si on n'est pas à l'écoute de ça, et si on n'est pas dans l'environnement de ça, il y a on certainement un moment où on ne pourra pas continuer parce que la société va plus vite que bien ce que sûr. Nous disons. Si elle va plus vite que ce que nous disons, nous ne pouvons pas accrocher sur ce que disent les gens Très dans bien. La rue. Si nous ne pouvons pas accrocher sur ce que disent les gens dans la rue, on n'existe plus. Tu travailles, toi? Ouais. Tu t'as mis au boulot? Je me suis mis au boulot. Tu t'es mis au boulot? Avant, là, déjà. Bougé, avant? Avant, je bossais déjà. Tu travailles où, là? Maintenant? Oui. Je travaille au Nouvel Obs. Ouais, c'est bien, c'est une bonne marque. Comme? Comme quoi? Comme journaliste. Comme stagiaire. Non, je suis journaliste. Ils sont géniaux. Il faut préciser qu'il a la dédicace de son livre, non. Quand même. Oui, à Véro, à Sophie, c'est sympa. J'ai un statut de journaliste, mais pas salarié à la pige. Bah, c'est bien, on a tous commencé comme ça, tu sais. Oui, mais là, quand même, je vais te dire... Oui, mais ceci dit, il me demande que des grandes interviews, mais immenses. Alors, tu vas interviewer qui, là, par exemple? Là, De Niro. Bah, c'est pas mal, hein. J'ai fait ma demande pour Aïssa Gorbatchev. Ah ben ça va. Un filon. Ah ben on reste dans le trip, hein. Ah, on reste dans le pro-soviétisme, c'est bien ce que je disais. On a les mêmes origines. Et puis Kubrick et puis Mitterrand.
Alors ma petite Marthe, à part te préparer pour aller dans les boîtes de nuit, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Eh ben, je fais des pubs. Tu fais des pubs, on va en voir. Des défilés de mode. Et puis sinon, je fais des chaussures. Tu fais des chaussures, c'est voilà, de toi. Comme ça, c'est voilà. De Gauthier, mais ça, c'est de toi. Voilà, ça, c'est de Gauthier, ça, c'est moi. Ouais. Ça s'appelle moi mes souliers. Ouais. Et tu les trouves un peu partout, au Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Nulle part ailleurs, Dimension. Et tu organises des fêtes aussi? J'organise des fêtes, parce que j'adore sortir, ouais. Alors là, ces chaussures-là, c'est toi qui les dessines et tu les fais fabriquer. Voilà, c'est ça. Et les filles achètent ça. Et ça marche très bien. Ouais. Tu fais une chanson aussi. Oui, je viens de faire un disque qui s'appelle Accélère mon amour. Aïe, aïe, aïe. Et le groupe s'appelle Rififi. C'est chez qui? C'est chez Barclay. Ben, c'est la totale. Alors et maintenant, ouais, on va voir tes pubs. La première, c'est la sardine. J'en suis dingue depuis toute Camille. Gratte, gratte. Gratounette. Gratte, gratte. Longtemps. Gratounette. De Spontex. Gratte, gratte. Longtemps, longtemps. Gratte, gratte. Gratounette. Gratte, gratte. Longtemps. Gratounette. De Spontex. Gratte, gratte. Longtemps, longtemps. Gratte, gratte. Gratounette. De Spontex. Ça va durer encore longtemps. Claude, bonsoir. Je suis ravi de t'avoir parce qu'en général, dans les émissions de télé, on a toujours des stars qui ont des films à vendre et toi t'es là et t'as pas de films à vendre. C'est peut-être parce que les bains sont dans tes habitudes. Les bains sont dans mes habitudes et puis en plus je trouve que c'est plus intéressant de moi aussi de faire des émissions quand on n'a rien à vendre parce que quand on a quelque chose à vendre, on se croit obligé de vendre ce que l'on a à vendre. Tandis que là, bon, bah, j'espère que c'est une conversation comme ça. On va pré-vendre, Marc. Tu tournes quoi en ce moment? En ce moment, je tourne L'Argent, un roman de Zola. De la série des Rougon-Macquart avec Rufio et Miu Miu qui ne sera pas programmé avant un an et puis avant j'ai fait Dandin qui va sortir en janvier et j'ai pas grand chose à vendre sur le plan cinéma parce que c'est vrai que je me suis amusé à faire une année de théâtre. Et alors tu en es où sur ce projet de Pizarre d'après la pièce de Schaeffer? Parce que la dernière fois que je t'avais interviewé, c'était dans Scoop à la Une. Exact. Et tu me disais je ne ferai pas le Dakar cette année parce que Polanski va mettre en scène Pizarre de Schaeffer. Alors c'est devenu quoi cette histoire? Ça a été simplement retardé à la place de la pièce de Schaeffer mis en scène par Roman. J'ai joué dans Dandin de Molière mis en scène par Planchon. Ce qui est pas mal non plus. Mais non. Tu vas le faire le Pizarre? Oui, je pense on va le faire après, je sais pas, dans 89. Ah bon, t'as des projets comme ça jusqu'en 89? Oui, pas des projets. Des envies? Précis, oui, des envies, voilà, c'est le mot exact. J'aime pas avoir des projets trop signés parce que je suis un petit peu claustrophobe. J'aime pas. Tu vas faire le Dakar cette année? Non. Non. Pourquoi? Enfin cette année, tu veux dire. En janvier quoi. Non, parce que en janvier je reprends Dandin au TMP. Mmh. Et donc ça correspond. Je fais deux ans, pendant deux ans je fais une impasse sur le Dakar. Tu crois que tu le referas encore? Très honnêtement, je ne sais pas. Non, je ne dis pas je ne crois pas. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi j'aime bien marcher par pulsion comme ça. Alors bon, je l'ai fait six fois de suite. C'est pas mal. C'est pas mal. On l'a gagné trois fois par équipe. On l'a gagné une fois au scratch en 83. On a toujours eu des places d'honneur, troisième, deuxième, cinquième. Bon, je sais pas. C'est pas vrai quand on dit que c'est une passion. Moi, la seule et unique passion que j'ai, c'est mon métier. L'aventure, bon, c'est vrai. Paris-Dakar ressemble à une aventure, mais enfin, le théâtre est notre métier. C'est aussi une belle aventure aussi. Mais que ce soit le Dakar ou que ce soit la vie, t'as l'air de bien m'être éclaté quand même. Parce que dans les périodes comme en ce moment, on te voit pas mal dans les boîtes, on te voit pas mal tard la nuit, au bain ou ailleurs d'ailleurs. T'aimes bien rouler à fond la caisse dans la vie en général? Oui, non? Oui, toujours. Et puis, non, mais c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai, je suis pas... Tu veux pas le dire à la télé? Si. Non, je peux dire une chose à la télévision, c'est que je fais une grosse différence entre les alcoolos et les ivrognes. Ouais, c'est important, allons-y. Oui, c'était une définition de Prévert. Ouais. Et je suis pas un alcoolique. C'est-à-dire que j'ai pas dit que t'étais un collègue, j'ai dit qu'on voyait tard dans des boîtes. Non, pas toujours, quand je peux, parce que... C'est pas parce que j'aime pas l'alcool, j'ai pas besoin d'alcool, mais par contre, de temps en temps, j'aime bien l'ivresse, et j'ai besoin d'ivresse, c'est bien de flirter un petit peu avec le diable, de temps en temps.
Et bon, c'est vrai que j'aime bien, il y a des endroits où j'aime bien venir. Et ici, ouais. C'est vrai. Et à Paris, ici, c'est quoi tes boîtes préférées à Paris? Il y en a très peu, il y en a très peu. Car Samba? Oui, Samba et Castel. Et Castel, bah ça va, c'est un bon, oui. C'est un bon choix. C'est mon circuit. Est-ce que tu crois que tu as la même chance que ton père au niveau des réalisateurs avec lesquels tu tournes? Est-ce que tu penses qu'il a eu des réalisateurs, des scénaristes plus, avec plus d'envergure que ceux avec qui tu tournes toi aujourd'hui en France? Je trouve que c'est une question générale à propos du cinéma, mais j'ai pas non plus à me plaindre. Faut voir ça dans la continuité. Il a fait des navets aussi, Romain. Mon père, oui. Moi aussi. Toi aussi, tout le monde. Oui. Non, enfin, mais généralement, ça, globalement. Il a tourné avec Carmé, il a tourné avec Grémillon, il a tourné avec Prévert. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec Renoir, de tourner avec Truffaut. Ouais. Ça va, tu penses que le compte est bon pour le moment? Oui, bon, c'est... Ce qui compte, c'est la moyenne. Quoi. Et ton fils, Alexandre, qu'est-ce que tu vas en faire? Un acteur, un brasseur, la troisième génération? Moi, je n'en ferai rien. D'abord, ce ne sera pas la troisième génération. Ouais, ce sera la quatrième. Plus. Avant. Ah bon. Parce que je tiens quand même à te signaler qu'il n'y a que des clowns dans ma famille depuis 1820. Donc ça remonte encore beaucoup plus loin que ça. Quant à lui, je ne lui ferai rien faire. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime. Est-ce qu'il a envie d'être acteur? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Mais j'ai envie qu'il ait envie d'être acteur. On va voir une vedette, là. Tu connais Prince? Ah oui. La Prince, tu vas voir, là, sur le Pucci, il avait deux... Oui, mais après, on fait les deux. Hein. Il avait deux guitaristes qui ont fait un clip qu'on va voir. C'est Vendy et Lisa, regarde. Maintenant, mon cher Franck, tout le monde sait qu'en français, un newcomer, ça se dit un wannabe. Un wannabe, absolument. C'est l'inverse d'un has-been. Totalement, et si vous voulez devenir un jour un wannabe, il suffit de nous écrire 93 Faubourg Saint-Honoré. Ça se tourne ici, vous vous retrouverez ici, vous ferez fortune. Voilà. Comme Gilles Bersol qui vend sa salade. Savez-vous qu'il est possible de flotter sur les arbres comme sur l'eau, et que ça marche, puisqu'on l'a essayé l'année dernière sur la forêt amazonienne, où une équipe de chercheurs, plus grâce au radeau des cimes automobiles, mieux découvrir cette forêt. Pour illustrer ce propos, j'ai ramené quelques échantillons intéressants, du brocoli, du persil. À une échelle moindre, ces deux articles sont une très bonne représentation de l'aspect d'une forêt vue par le haut. Et pour vous montrer qu'on peut y faire plein de choses, je vais y disposer cette maquette également de bateau pneumatique. Regardez comme elle est stable, comme elle flotte bien, même s'il y a du vent. Nous allons réaliser un grand projet au printemps prochain où nous essayerons toutes sortes de radeaux différents sur une forêt française. Pour ça, nous avons besoin de forêts, nous avons besoin
de sponsors, d'argent. Alors, si vous avez des idées, contactez Gilles et Bersold au 42 29 39 74. Bonsoir. Bonsoir, je me nomme Patrick Top, j'ai 35 ans et je suis plasticien. Je réalise aujourd'hui de grandes œuvres murales que je n'ai pu malheureusement vous apporter car elles mesurent environ une centaine de mètres carrés. Je pourrais vous dire que actuellement je réalise des nuages de papier, en couleur bien évidemment. D'autre part, j'ai réalisé des structures à partir de négatifs et bien autre chose. De plus, dans 2 mois, je me rends sur la Côte d'Azur et là-bas, j'aimerais rencontrer une personne qui éventuellement pourrait connaître et apprendre mon travail. Mon numéro de téléphone est le 43 70 67 50. La plus grande invention, le spectacle pour enfants. Bonjour, je m'appelle Guy Sigrand, j'ai 29 ans, je suis auteur, compositeur, interprète et je m'occupe plus spécialement de créer des spectacles pour enfants. Baladine vous propose « Minuit sonne jusqu'au cœur du soleil ». Nous nous adressons à toutes les collectivités et également les particuliers dans le cadre des anniversaires où nous présentons nos personnages. Appelez-nous vite pour vos animations, carnaval, fêtes au 69 04 82 10 avant minuit. Bonsoir, je m'appelle Lucie Dextra et j'anime des stages qui s'appellent Femme d'Oshi, c'est-à-dire la voix de l'énergie des femmes. C'est un stage qui dure seulement un week-end et à la fin de ce week-end, vous avez la capacité de vous défendre. Tout est adapté pour la morphologie des femmes. Alors, une chose qu'on enseigne, entre autres, dans ce stage, c'est comment, avec votre petite main de femme fragile, briser une planche. Je voudrais vous montrer comme ça. Si vous avez envie de savoir vous défendre, eh bien, vous me téléphonez au 30 52 46 50. Merci. Bonsoir. Philippe Stark, bonsoir. C'est ta nouvelle femme ? Oui. On vient de se marier hier. Elle s'appelle comment ? Ara. Ara. Tu as quel âge, ma petite Ara ? 9 ans. Il y a longtemps que tu es mariée avec Philippe ? 10 ans. 10 ans ? C'est moderne. Intelligent. C'est moderne. Est-ce que tu es bien assis ? Oui. Oui. J'ai jamais pu supporter l'idée du canapé. Pour moi, c'est vraiment le symbole même de l'habitat bourgeois, comme ça, et je ne comprends pas. À mon avis, c'est une position totalement archaïque des paysans de l'ancien temps qui étaient en ligne le long du mur, comme ça, pour regarder, je ne sais pas quoi vous parlez. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas toi qui as dessiné ce canapé ? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Tu n'aurais pas dessiné ça ? Je soupçonne que non. Ça vaut combien un canapé Stark ? Bah, d'abord, c'est très nouveau. Je crois que le premier vient juste de sortir à Milan il y a un mois. Et je ne sais pas, parce que je crois que comme tout ce que je fais, j'espère, c'est un prix juste. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pas cher ou si c'est cher, n'importe comment. L'important, c'est la justesse du produit. C'est-à-dire qu'il peut, une Ferrari vaut son prix. Justement, il y a d'autres marques qui volent les gens quand ils achètent. Une Mercedes est toujours plus économique qu'une autre voiture. Alors, tu as été finalement la première personne qui est venue au bain de douche à l'époque. Comment ça s'est passé la première fois que tu es venue ici ? Pour le faire ? Oui. Oh, bah, il y avait les Fabrice et Jacques, qui à l'époque étaient antiquaires, et qui venaient ici acheter le bar, je crois le bar en bas. Et ils sont ressortis en disant « Oh là 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 là, je viens de voir un endroit incroyable !» Mais c'était un bain douche. C'était un vrai bain douche. C'était pas déjà une boîte, c'était un vrai bain douche. Ah non, c'était un bain douche. C'était surtout, je crois, un endroit de baptême. Par immersion, si je ne me trompe. C'est pour ça que là-haut, il y avait encore une petite baignoire avec un escalier, une rampe. Et donc, il est arrivé, il a dit « Oh, j'ai vu un local extraordinaire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ?» Et c'est là où toute l'idée, le concept bain-douche est venu, où on a amené, les gens sont groupés, Benin s'occupait de la musique, et ainsi de suite. Et il y a vraiment eu un esprit bain-douche qui s'est fait. C'est bien drôle, il faut dire. Pendant très longtemps, drôle. Tu as été celui qui avait fait la main bleue, la main jaune, les bains-douches. Non, pas la main jaune, non, la main bleue. Mais la main jaune, tu la revendiques pas du tout. Bah non, parce qu'on m'avait demandé de faire une boîte de nuit, la plus belle du monde, je l'ai fait. Et le jour de l'ouverture, je me suis aperçu que le type en ce temps-là avait fait un roller rink pour du roller skate. Et comme je déteste tous les sports néo-américains où tout le monde est à la mode pendant 2 mois sur des patins à roulettes comme des imbéciles, évidemment, c'était pas du tout mon projet. On s'est connus à Façade il y a 10 ans. Je me souviens que la première fois que je t'ai vu,
Tu m'as expliqué que finalement, les gens habitaient toujours dans des grottes, parce qu'un appartement dans un immeuble, c'est jamais qu'un espace en forme de grotte. Bien ça sûr. Ça m'avait beaucoup impressionné. Bah non, c'est tout le problème foncier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à construire des grottes, c'est-à-dire que quand on fait des murs en plâtre, quand vous voyez un maçon portugais, qu'est-ce qu'il fait ? Il broie de la pierre, il le met dans des sacs, il le transporte, il le mélange à de l'eau, et il essaye de refaire de la pierre lisse. Mais la pierre, par définition, n'est pas faite pour être lisse. Et donc, tout ça est un énorme non-sens, en tout cas, un incroyable archaïsme, et il faut absolument que ça change, c'est-à-dire que l'architecture devienne authentiquement moderne, si ce n'est mécaniste, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, les gens travaillent un tiers de leur vie, si ce n'est plus, simplement pour se payer leur coquille, leur coquille d'escargot. Et ça, c'est absolument scandaleux, parce que ces sommes, cette énergie qu'ils dépensent à ça, ils pourraient le faire à autre chose. Donc, il y a vraiment une idée aujourd'hui politique de ce que doit devenir l'architecture pour arrêter que les gens soient esclaves de leur coquille. Alors, à l'époque de façade, je t'ai rencontré, j'ai rencontré Jean Bad, vous avez merveilleusement réussi tous les deux. Mais dans les années qui ont suivi, quand je te rencontrais dans des boîtes de nuit ou dans des soirées, tu me racontais toujours que tu faisais des choses en Arabie Saoudite, à Dallas, partout. Et des fois, je me demandais si tu n'étais pas mythomane parce que c'était tellement merveilleux ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans ? Non, moi, je suis quelqu'un de curieux. C'est-à-dire que j'adore. Moi, je ne travaille pas. En fait, je me contrefous un peu de l'architecture, du design, de tout ça. Moi, je suis avant tout un aventurier, créatif, j'espère, un rêveur, autrement dit, qui vit et qui se transporte, dont le véhicule est la création. Véhicule pour connaître des gens, parce que j'aime l'humain, pour vivre des aventures. Et donc j'ai eu, en effet, il y a très très longtemps, j'étais bien content parce qu'à l'époque j'étais totalement ruiné, on n'avait plus de quoi manger. À l'époque tu rentrais d'un tour du monde de 2 ans après avoir quitté Cardin, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et on est rentré de ce tour du monde, on était strictement lessivés. Et par une chance absolument incroyable, il y a un émir qui est venu, et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment pourquoi, il est arrivé, il m'a dit, Monsieur l'ingénieur Philippe, il faudrait me décorer mon Boeing. J'ai fait oui, avec plaisir. Mais après, tu l'avais rencontré comment ? Parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je ne me rappelle plus. C'est une histoire de psychanalyste, je crois, en gros. Vraiment, tout était rocambolesque. C'est pour ça que je l'ai pris comme rocambolesque. Quand ça a commencé à ne plus l'être, dire que ça a été mon seul client de ce genre, et ça a duré 2-3 ans, pas plus. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que là-bas, ils ont toujours trouvé que c'était Stark, c'était le Fada. C'est-à-dire qu'ils comprennent, mon style n'a strictement aucun rapport avec leur désir saoudien. Non, donc ça a été simplement une petite aventure, mais qui est toujours très intéressante, comme toutes les aventures. Non, Dallas a été bien plus important, puisque c'est des familles de pétroliers. En fait, c'est la famille qui sert de modèle à la... Oui, c'est la famille Hunt, Wins, Woodalls, Murchison et Propeller Dallas Cabaye, qui m'ont appelé avec tous les fastes que ça peut représenter à l'époque, parce que je crois que Dallas est maintenant un peu sinistré par la crise. Ça va encore pour eux, je soupçonne. Et donc, ils m'ont dit, voilà, alors je suis descendu de l'avion, il y avait des limousines noires, bam, 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 et ils m'ont promené, ils m'ont dit, choisissez, la ville est à nous. Je dis, très bien, je vais choisir, mais pourquoi faire ? Ils me disent, écoutez, on s'embête ici, on s'embête. Alors, on a lu dans le journal, dans le New York Times, que vous êtes le roi de la nuit. Je dis, faut pas exagérer, j'habite à la campagne avec ma femme, ma fille. Non, vous êtes le roi de la nuit, c'est marqué dans le journal. Bon, d'accord, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on va... écoutez, on pense que pour lancer une ville, il faut de la nuit, il faut l'esprit de la nuit, et faites-nous la plus belle boîte de nuit du monde. Alors, donc, choisissez l'endroit. Alors, là, j'ai choisi Downtown, parce qu'en bon européen, je crois toujours dans Downtown. Et on a en effet lancé, on a fait cet endroit qui a été terriblement compliqué parce que ce sont des fous furieux. 3 grammes de cocaïne par jour et par personne, ça abîme toujours un peu le raisonnement. En plus, le défi à papa, donc c'est jamais très facile. Ils n'ont pas de stricte nécessité dans le temps et dans les résultats. Enfin bon, au bout d'une aventure incroyable, mais incroyable, digne du western, on a fait cet endroit. Et j'y suis retourné il y a quelque temps, un an ou deux, ça marche très bien. Et j'ai eu quand même le grand bonheur que les gens me remercient. Et en effet, c'était le but, puisqu'il fallait changer l'esprit de la ville. Ça a donc été changé. L'esprit de Dallas. Ah oui, complètement. Donc il y a eu les émirs, il y a eu Dallas, et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, non, c'était, je sais pas, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me rappelle plus, j'ai aucune mémoire. Je ne sais pas, les meubles, d'autres, les balles Élysées, Coste, et plein de choses. Puis on travaille à peu près sur une centaine de projets par an. Et aujourd'hui, tu te lances dans l'architecture ? Bah, c'est pas que je me lance dans l'architecture, c'est l'architecture qui me lance, dans la mesure où c'est les clients, des gens, des Japonais, des Américains qui voient ce que j'ai fait en intérieur et qui me disent, mais quand on est capable de faire ça, on sait faire de l'architecture. Alors en effet,
J'ai eu des quelques premières appréhensions lors d'un projet en me disant est-ce que je suis capable de le faire ou pas. Et quand on arrive toujours frais et candide et qu'on a deux, trois trucs à dire, on trouve des solutions très fortes, des solutions très intéressantes. Et donc, on a fait le premier immeuble à Tokyo qui va être fini là dans 2 mois. Et j'en suis très, 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 très fier pour la bonne raison. J'ai vraiment l'impression d'amener quelque chose, une vraie fraîcheur en architecture. C'est une drôle de bête. Pour vous essayer de vous décrire l'objet, le premier nom de code dans le bureau s'appelait Godzilla. Mm-hmm. Le deuxième, The Green Monster of the Bayou, mm-hmm. le monstre mm-hmm. vert du bayou, c'est-à-dire un espèce de monstre qui vit dans les marécages, qui se nourrit de cadavres et qui un jour détruira tout le sud de l'Amérique. Et maintenant, il s'appelle, le nom définitif, c'est Nani Nani. Nani Nani, ça veut dire l'innommable. Quand un japonais ne sait pas ce qu'il voit quand il a peur, il dit « Ah, Nani Nani !» Et donc, c'est un immeuble complètement biomorphique, complètement de forme organique, visqueux, en perpétuelle décomposition. Il est recouvert d'oxyde vert. Cette décomposition coule avec l'eau de pluie et se répand dans le sol de granit noir où il y a des micro-fissures qui ont été faites au laser et qui racontent son histoire et une autre histoire qui va s'inscrire au fil du temps et de cette eau verte qui coule partout. Et c'est aussi le premier immeuble prédateur du monde, puisque j'ai volé, par une astuce de la loi, j'ai volé l'espace du terrain d'à côté. C'est-à-dire que mon immeuble est diagonal et surplombe l'autre. C'est du piratage total. Ben oui, on peut le comprendre. Elle dessine des meubles aussi, non ? Elle dessine des meubles, elle a dessiné un tabouret qui marche très très bien, très 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 bien, et très beau, et j'ai été très jaloux. J'ai de l'argent déjà à 9 ans. C'est fou, non ? C'est fou. Mais combien gagnez-vous, mademoiselle ? Et donc, moi, j'étais très jaloux parce qu'il a fallu que j'attende 36 ans pour avoir un meuble, le Lang, injecté en une seule pièce en polyuréthane, ce qui était un rêve technologique pour le designer. Et elle l'a eu à 8 ans, ça m'a bien énervé. Et là, on sort chez Flos en Italie dans 2 mois, une lampe, une série de lampes qu'on a dessinées tous les deux. Tu perds pas ton temps. Pourquoi perdre son temps finalement? Parce que je m'amuse à faire ce que je fais et donc c'est très drôle, c'est bien, je perds pas mon temps, ni l'impression de le gagner, ni l'impression de le perdre. Je vis, je m'amuse, je dessine, on s'agite. Alors maintenant on va voir quelque chose que tu as fait à Amsterdam. Qui est en cours, oui, à Amsterdam. Oui. Tu t'en souviens? À peu de choses près, oui. Si c'est ce tramway, je crois pas que ce soit c'est ça. C'est pas toi qui as fait le tramway là. Non, moi j'ai fait le monsieur devant. Ce que l'on va faire, c'est quelque chose de très moderne. On doit réaménager un bâtiment au milieu d'Amsterdam qui s'appelle De Waar. C'est placé vraiment comme un arc de triomphe. C'est vraiment un bâtiment central, donc tout à fait sensible. Les gens sont, ça fait partie de leur histoire, de leur culture. Et c'est un projet très diagonal, parce que c'est un studio de télévision professionnel, mais qui est à la fois public dans la mesure où ça va ressembler à une espèce de grand café, comme on pourrait dire le café Coste, sauf que c'est un studio de télévision. Alors avec plein d'étages, c'est assez sophistiqué, mais c'est très intéressant, parce que c'est très complet, c'est très polymorphe comme ça. The best Italian company of furniture work first with Holland. That's why perhaps it was a sort of mistake if I don't work more and before with Holland, but now I am here and I shall stay here. Okay. Merci beaucoup. J'espère. Dans un minute. J'en dirai pas plus. C'est un décor d'opéra ou de joueur de sumo. C'est un face-à-face, un combat. On a cette espèce d'énorme escalier minéral, dur, masculin, oppressif, quasiment fascisant. On a en face, comme un défi, cette espèce de mur de capiton démesuré, étouffant, comme ça, incliné, assez féminin, mais dur aussi. Et ils sont face à face comme ça, ils se regardent. Le tout après est coiffé par cette méga structure qui est un petit peu ce qui rattache ce drame au sol. Alors en fait tout ça est tout à fait japonais. Tout ça c'est une violence, c'est une mise en scène tout à fait japonaise. Ce qui les choque énormément ici, ce qui fait cette espèce d'émotion dans Tokyo, c'est le fait que l'emploi des matières, ces espèces d'acajou comme ça mélangées avec ces velours rouges, ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Alors j'ai truqué les cartes, mais en gardant la même violence. J'ai ça en commun avec eux. I know the end is near.
And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I've traveled. Et maintenant, nous allons goûter la nouvelle drogue, le karaoké. C'est bien pervers, hein. Nous allons nous recycler là-dedans. Much more than this, I did it my way. Regrets. Hold on. Welcome everybody. And, c'est super parce que. Vous savez, on a eu un tube énorme cet été, c'était Homo Mokajo, par, comment il s'appelle déjà, Naremo Rike, et ce soir, il nous fait une surprise, et avec un cœur exceptionnel, d'ailleurs, je veux qu'on présente le cœur, on peut filmer le cœur, là, quelques secondes, là. Nous avons Claude Chal, Marc Lagache, Guy Covas, Véronique, Claude Brassard, Marzaï, et Thierry-Zan, et tout le monde. Et puis, ouais, quand même, merci. Et oui, maintenant... Et oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça, c'est pas Mexico, je m'excuse, c'est pas Mexico. C'est Coximé, par Marginajna, Maintenant, à toi. C'est quoi Mexico d'ailleurs? C'est quoi Mexico? Est-ce que tu peux me parler de Mexico d'ailleurs? C'est une chanson qui a été écrite par un inconnu, Francis Lopez. Francis Lopez, en effet, c'est un très grand inconnu. En effet. À toi. On a chanté les Parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du nord, le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau. En obreto, sous le beau ciel de Mexico, on devient faux au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la chance de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine la bâtire mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexique. De chaque jour, Mexico, Mexique. Tes femmes sont à la bande de qui, et tu seras toujours les paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine, sur le soleil de Mexico. Ça dure à peine des semaines, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on lance un brave bolero. Et le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, en obreto. Sous le beau ciel de Mexico, on devient faux au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexique. Au bonheur de chaque jour.
Mexico, Mexico. Sont adorantes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.